esprit, il y a un autotune. Oui, il y a un autotune, je pense. Il y a un autotune. Mais comment parler d'un autotune? Regardez cette efficacité. Demain, on nous pose des volets. Du coup, on est en train d'enlever les anciens volets. Et là, elle est en train d'enlever les joints qui étaient collés. Efficacité. La tétrou, ça bouge les tétrous. Tu fais ça bien, hein? Oh, j'essaye. Le maçon. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les autotunes de Nito Ona pour le live. Il faut que je fasse les presets pour les envoyer à Sébastien. Voilà. Il est joli, nouveau volet. Magnifique. Et celui-là aussi. Moustiquaire. L'été, ça va être pratique. Du bruit. Attention. Du silence. On n'avait même pas montré le beau trophée. Il est beau. Du coup, maintenant, on le voit bien. On entend bien que c'est pas du plastique, en plus. C'est bien. Ils ont fait ça bien. Ah oui, ils ont fait ça bien. Il est beau. Il est très beau. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de tremplins, que ce soit vidéo, musique, auxquels on a participé, et on n'avait pas de trophée. Juste notre fierté. Oui, participer et remporter. Mais et j'ai remporté. Pas fini. Il y avait les premiers prix, ma gueule. Oui, pour lesquels on n'avait pas eu... à part notre fierté personnelle, de fierté matérielle, comme c'est le cas là. Alors du coup, on s'est fait faire 3 petits trophées. Je trouve que c'est fierté, pardon. Vas-y. Je trouve que c'est fierté matérielle, mais surtout souvenir. Oui, du coup, on s'est fait 3 petits trophées qu'on a commandés sur Etsy pour les 3 tremplins auxquels on a participé et qu'on a remportés, et pour lesquels on n'avait pas de trophée matériel. Du coup, voilà, on a fait pour le kiff, le Faltasy et... l'Ampli West France. Voilà, on va courir. Oui. T'es belle, bébé. T'es jolie. Tu vas être bien. Je montre juste le bleu. Parce que c'est beau. Le bleu azur. Oui. Coucou les chiens. C'est la symphonie des tailles bordures. Allez, tu fais des blagues. J'ai pas d'idée encore. Ah bah cherche. Je cherche. On fait un concours de blagues. C'est vrai? Oui. Oh là là, la pression. Concours de blagues inventées. Bah oui, j'imagine. On a pas le droit de faire. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bah oui. J'ai une blague. Qu'est-ce que fait un agent de la BTP quand on lui fait une blague? Une farce plutôt. Je sais pas. Il tombe dans le panneau. Ah, c'est drôle. Ah, j'en ai une du coup. Vas-y. Qu'est-ce que fait un agent de la SNCF le week-end quand il rentre chez lui? Il fait rien parce qu'il arrive en retard? C'est pas gentil. Alors je remets mon énoncé. Qu'est-ce que fait un agent de la SNCF toute la semaine au travail et il continue à faire ça le week-end quand il rentre chez lui? Le train-train quotidien? Non. Il composte. Ah, c'est drôle. Dans son jardin? Oui. Genre c'est un magasin de cheminées, de poêles et tout ça. Mmh. Et genre leur slogan en dessous la marque, c'est sans nous, on se les poêle. Ah c'est drôle, c'est une bonne idée. Je sais pas si quelqu'un y a déjà pensé. Je sais pas.
C'est parti pour répéter le live de Nitona une dernière fois, parce que le live est après-demain et que le jour avant, j'essaie toujours d'éviter au max de forcer sur ma voix. Peut-être que j'écouterai les morceaux pour bien remettre les paroles en tête, mais Pornic, ça m'a quand même bien tiré sur la voix, on va pas se mentir. Donc, je vais y aller tranquille, mais juste pour tester que mes réglages fonctionnent bien et que j'ai pas de mauvaises surprises avec les paroles, quoi. Voilà, c'est parti. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. My glass is popping, you like my hair. Just thinks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. I want it, no, 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 baby. Hey, hey, yeah. Wait, I kinda fell in love with you. I keep all of what you said to me. I'll get you, get you, get you, get you on your knees. You don't wanna see me bratty. Pet the kitty, call me catty. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. Days on your mind, stand. Never forget it, blossom in the moonlight. De l'importance d'avoir fait une petite répète avant, c'est que je me suis rendu compte que j'avais oublié une note dans mon autotune que j'ai fait hier. Et du coup, forcément, il y a des trucs qui marchent pas, genre ça. I would do everything you told me to. Manque une note. Oh, Dad told me to. Can you just get out of my way? Am I loose? Michael, you don't wanna be there when I do. Tu viens, mon cœur? Allez, viens montrer ta tête. Oui, ta tête. Je t'aime. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi j'utilise de l'autotune alors que je chante incroyablement bien en live. C'est faux. Je chante bien si je m'entends. C'est très important à préciser parce que si je suis en acoustique et donc que je m'entends bien, je peux chanter très juste. Mais si je m'entends pas, dû à plein de choses, soit que j'ai un rhume et que j'ai les oreilles qui font un peu nawak, ou alors tout simplement parce que j'ai pas fait d'assez bonne balance, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte qui font que des fois, eh ben on s'entend pas bien et du coup on peut chanter à côté de la plaque. Du coup c'est pour ça que je mets un autotune pour Nitona, pas pour Lunis, parce que les prods de Lunis sont pas si fournis que ça. Du coup dans mes ears, en fait que j'ai dans mes oreilles, c'est mes retours de scène que j'ai directement en écouteur, c'est pas trop le bordel. Sur Nitona, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de basses, et parfois ça peut être très brouillon dans mes oreilles, du coup j'en mets qu'un déjà. C'est un peu de repos dans le sens où moi je me dis, si je m'entends à peu près bien, si je fais l'effort d'être juste, techniquement il devrait pas y avoir de problème. Si je m'entends mal, ce qui peut arriver, et que j'entends par exemple tout un demi-ton en dessous, et ben c'est possible que ça fasse nawak. Genre vraiment. Et là, le pire souci de l'histoire, mais ça, je sais que ça arrivera pas, et c'est ça aussi qui est important d'avoir un ingé son en lequel tu as confiance et qui est là sur tes lives, c'est que par exemple, là, on a l'autotune de Begin, et bah si je le mets sur une autre chanson au hasard. I wait for the sunrise, and it feels like you're next to me. Voilà, c'est terrible. Et en fait, Sébastien, ce qu'il doit faire, c'est choisir le bon autotune, c'est important. Too many thoughts to exercise. C'est une aide en live, mais ça fait pas des miracles. En fait, j'aime bien l'effet de l'autotune parce que ça fait vraiment des notes droites, ça permet de bien rentrer dans le mix, donc j'aime bien. Pas sur de l'acoustique par contre, sur l'acoustique, je préfère 1000 fois sans autotune. Je trouve que sur les prods comme ça, ça marche bien parce qu'il y a finalement pas grand chose qui est organique, tout est parfaitement juste, alors qu'en acoustique, ça vit un peu et du coup, c'est bien aussi, je trouve, que la voix vive. Après, c'est une question de goût. Par exemple, je suis fan de Post Malone quand il fait de l'acoustique avec Angus Stone et qu'il met un autotune de bâtard sur la voix d'Angus. Pour moi, c'est un non. Mais après, il y en a qui aiment bien. C'est juste une question de goût. Mais du coup, voilà. Là, j'ai tout écouté. J'ai entendu 2 petits bugs dans la prod qu'on va régler. Mais du coup, c'est bien que je l'ai écouté là parce que du coup, on s'en est rendu compte. Et voilà. Ça va être chouette. Puis on vous fera des vidéos. Non, tu me mets la pression. Ah, c'était là que je voulais essayer. Mais c'est foutu, mais j'ai trop eu de pression. Mais non. Tu répètes avec moi, baby. On check une dernière fois que tout fonctionne avant le concert de demain. Et Bucket, toujours là pour nous accompagner. Je viens de dire un truc, Lorraine, elle a dégainé l'appareil photo. Bah oui, jusqu'à rien dans en mode, blog. Il faut que tu dises. Donc du coup, ce que je vais dire, ça va être complètement spontané. Mais... Oh merde. Faut que je coupe mon son. Je dis juste que la pédale que j'ai utilisée sur ma guitare à Pornic, ça marchait trop bien sur ma guitare. Et sur la voix, ça marche pas bien. Ça marche, hein, ça fait des trucs. Ça fait des trucs, mais ça fait pas des trucs si intéressants que ça. Et si adaptés. Donc du coup, je vais essayer le VT3. Parce que le VT3, à mon avis, ça marchera. Oh, 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 oh
autotune. Oui, un autotune, je pense. On a fini de checker tout la setlist. On a rangé le matériel. On a pris Neon Litoona. Et maintenant, ça part au Tony Hawk. Pro Skater. Un ou deux? Deux. J'ai 100% fini le... Le 1. Dans 24 heures tout pile, on sera en plein live. D'où le fait de rester bien éveillé à cette heure-ci. Oui. Ça sert à rien de se coucher trop tôt aujourd'hui. Non. Ça sera une erreur fatale. Ouais. J'aurais dû t'écouter. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bonjour, c'est le matin. Bonjour, c'est le matin. Il est à peu près midi et demi. Moi, je viens de me réveiller. Donc, je pense que je serai pas mal pour le concert. Mis à part le fait qu'on n'a pas très très bien dormi. Mais généralement, avant un concert, je ne dors jamais très très bien. Il n'y a pas grand-chose à faire à part se préparer, quoi. Parce qu'on a préparé le matos hier. Donc là, avant 14h30, il n'y a pas grand-chose à faire. Et à 14h30, on part. On va chercher Tony à Quimper. Direction... Brest, et après on fait les balances, on rejoint Sébastien Leroux là-bas, on fait les réglages son, gna 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 gna. On va aller s'amuser, on va choisir une petite activité sympa, et puis voilà, après ce sera manger, concert, 23h30. Vous êtes chaud, est-ce que vous êtes chaud, je vous entends pas. Et là on est plutôt tisane, là on est plutôt comme ça. On est parti pour Brest, il fait excessivement beau, c'est trop bien. Je crois que c'est que jusqu'à aujourd'hui, donc on va en profiter au maximum. Mais là, on va acheter à boire et à manger pour la route. On va choper Tony à Quimper et on est parti pour l'aréna de Brest où on retrouve Sébastien. Ça va être chouette, à toutes. Ça va. Directement filmé pour le vlog. C'est ça. J'étais sûr de mon coup et je le suis. Mais très bien, ton coup, Louis. Ouais, mais finalement... Et lui, sinon l'inverse, lui, là. Ouais, ce que je me dis, mais... Attention, suspense. Normalement, oui. Normalement. Non. Si tu croises les bras... Mais non. Ah, trop tard. T'as croisé beaucoup trop tard les bras. Croise les bras, vite. C'est bon. Okay. Voilà. J'avoue, comment il fait un temps trop net. Non, mais toi, c'est quoi, ça? C'est pas une légende, quoi. Non, mais non. Voilà ce qui se passe quand t'arrives à Brest. Oh, mais l'arnaque totale. Non, mais j'ai halluciné. Mais quoi? On voit rien à 20 mètres. Oh, mais on se fait arnaquer, mais de ouf. Voilà, Lorraine. Faut que je change mes piles. Et voilà, Tony Caméré qui se casse. Tranquille. On va être plutôt bien là, on va être plutôt bien. Et là ce soir ça va être le feu, plein de gens chauds patates qui dansent partout. Salut tout le monde. Regarde juste ce qu'il y a écrit avec. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est qu'elle reste sur Please Wait, c'est pas super rassurant. Vous l'aviez testé avant de partir? Ouais, on l'a testé hier. Aujourd'hui c'est la loi de Murphy un peu. Si un truc peut merder, ça merde. Mon micro HF ne marche plus, la cymatique bug. Mais on n'a rien montré du coup aux gens là. Hein? On n'a pas montré les balances. Non. Là, c'est malin. On peut faire un semblant de balance. Tu me reçois, Seb? Tu connais la différence entre... Ah non, il m'a coupé, il me coupe. Il n'entend pas. Ah si, il entend. Ouais, c'est bon, il entend. Très bien. Voilà, donc Sébastien là-bas. On peut l'apercevoir. Je vais zoomer dessus. Là, ici, on a Lorraine Bourbon, la chanteuse de Litoona. Et c'est bien évidemment la chanteuse. Ah, vas-y. Attention, Tony Caméré. Salut. Prêt à faire du sport comme jamais ce soir. La salle est sympa, franchement. Donc là, vous avez un petit aperçu de balance. Fin de balance, voilà, on est prêt. Le son est bien dans les oreilles, le son est bien en face. Enfin, on n'était pas en face, mais on l'imagine, parce que Sébastien Leroux est trop fort. Et voilà, on a eu pas mal de couacs sur cette balance. Mais bon, voilà, c'est le live, et on a réussi à faire en sorte que tout fonctionne, et ce soir, ça va être le fire. C'est plus mis. Wow. Trop chaud patate. Je suis balba. Sur à peu près 40 lancés, j'en ai mis 2. Voilà comment on se détend avant un concert de Litoona.
Est-ce que j'y vais avec... Avec la hache ? Avec la hache ? Tu veux, tu fais un avec la hache et deux avec le... Oh ! Aïe ! Je vais y aller au chouchen. Au chouchen. C'était quoi ça? C'était le lancer le plus lent de l'histoire. Pardon, j'étais trop occupé par le coup. T'as raté? Tony. Bah oui. Mais c'est pas grave, c'est le premier. Bah oui. Oh, 5 direct. Avec un petit Linkin Park en plus. Oh, c'est marrant. Si je fais 5, j'ai gagné. Oh, tellement différent, c'est ouf. Oh, 3 et 4. J'avais même pas qu'il y avait cette salle dans l'arène en fait. On avait joué ici. Ah ouais. Pour le club de handball. On va concentrer sur le concert en fait. Je vais vlogger le concert. C'est ça qu'on boit avec Itona. De l'eau, je vous le dis. Bah oui, regardez. De la cristalline. Quelle heure il est ? 22h57. Ah bah dans plutôt 30 minutes, tu es sur scène. Ah, je vais vous filmer, mais là-bas. Regarde ça. Je regarde ça, mais là-bas. Et coucou. En route vers le concert. Je préfère danser. Ah ouais, t'es chaud ? Mais grave, mais grave. Mais grave. Eh hey, ouais, que je suis chaud. Eh hey, ouais, que je suis chaud. Monsieur Wins, c'est pas ça. Mais le lait cortisol et le avec le bruit, mais là du coup ça finit en DJ set avec Yes sur scène et voilà. Et ça s'est bien passé et c'était cool et ils ont trouvé ça vachement cool. Un petit ressenti. C'était super. C'était super. C'était bien. On a quand même dansé la Macarena sur de l'électro et ça c'est cool.